Bonjour à tous. Le retour de la statue des pèlerins de Compostelle sur le rond-point Yves Guéna de Périgueux. Des téléconsultations proposées avec un médecin dans les pharmacies pour lutter contre la désertification médicale. Et puis, dans cette hebdo vidéo, nous irons à la rencontre d'un boulanger pas comme les autres. Il fait du pain avec le blé qu'il cultive lui-même sur son exploitation. La sculpture qui représente des pèlerins de Compostelle est donc de retour sur le rond-point Yves Guéna à Périgueux. Elle avait été retirée de son socle en juin dernier, le temps de travaux destinés à fluidifier la circulation en centre-ville. Elle a été effectivement restaurée, surtout on a enlevé les arches avec la corde du sculpteur Ramon et on les remet à leur place. Ce sont les messagers, c'est leur place historique ici, place Yves Guéna, et nous tarder à le remettre. Ça veut dire aussi que les travaux sont terminés. On l'a prédisposé avant pour faire valider l'implantation. On a fait un marquage au sol, on a percé et après on fait une fixation au chimique. Pour lutter contre la désertification médicale en Charente-Maritime, les pharmacies peuvent désormais proposer des téléconsultations avec un médecin. Une pharmacienne de cause est la première à l'expérimenter dans le département. L'Ordre des médecins veut un strict encadrement. Nous avons créé un espace de téléconsultation dans la pharmacie parce que nous nous situons dans une zone qui est quasiment dépourvue de médecins. Et les médecins qui exercent dans les cabinets médicaux en périphérie sont débordés et n'acceptent plus de prendre de patients. Ça permet à des gens âgés ou des enfants de consulter immédiatement dans des cas d'urgence ou pour des renouvellements d'ordonnance quand le médecin ne peut pas donner de rendez-vous avant 15 jours ou 3 semaines, voire ne prend plus de patients du tout. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut venir sans rendez-vous, consulter un généraliste, voire un spécialiste, des fois sur rendez-vous très rapide, et avoir les premiers soins ou faire établir son renouvellement d'ordonnance. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que les médecins du secteur fassent partie de ce réseau de médecins qui fait de la téléconsultation pour recevoir leurs patients en renouvellement d'ordonnance, en téléconsultation, ce qui leur permettrait d'aller beaucoup plus vite et aux gens d'avoir leurs ordonnances dans les temps. Faire pousser du blé bio pour en faire du pain, c'est le quotidien de Xavier Bonvalot. Il est le seul paysan boulanger du département. Et s'il a transformé son blé en farine puis en pain, c'est avant tout pour des raisons économiques. Écoutez. À chaque récolte de blé, on garde une quantité de blé, environ 200 hectares, 200 kilos par hectare, qu'on ressème. Et c'est toujours le même blé, donc il est ressemé sur une parcelle, la ferme, donc il y a une quarantaine d'hectares, la ferme est grosso modo coupée en quatre, et tous les quatre ans, on sème un quart de la ferme en blé, et on revient sur ces mêmes parcelles seulement quatre ans après, pour des raisons agronomiques surtout. Et du coup, elles sont exploitées entre-temps quand même? Ah ben, elles sont exploitées entre-temps, on fait du tournesol, moi je fais du tournesol, du colza, de la févrole, et des fois de la luzerne, des choses comme ça, et voilà. Mais il faut qu'il y ait une rotation, surtout en bio. La terre, elle ne veut pas toujours avoir la même... Enfin, la culture ne veut pas toujours avoir la même production. Permettre aux femmes et aux enfants victimes de violences de se défendre, c'est l'objectif du karaté Défense Atlantique qui vient de voir le jour à Saint-Sulpice-de-Royan. Alors, je me suis inscrite au club parce que dans ma jeunesse, je suis passée par des violences. J'ai vécu avec un homme violent et je m'étais toujours promis de faire ce qu'il fallait par la suite. Voilà, apprendre la self pour savoir me défendre contre n'importe quelle agression. Et comment sont passées les premières séances? Très bien, c'est très instructif. Non, c'est sympa, c'est à la fois amusant et ça apporte plein de choses. Sosten Cagouillard, le Sherlock Holmes saintongeais, fête ses 20 ans. Le personnage de Christian Robin va donc vivre de nouvelles aventures pour cet anniversaire exceptionnel. Dans un ouvrage en deux volumes, dont le premier vient de paraître. Le second, quant à lui, sortira au printemps prochain.
Il a toujours plein de boulot. Parce que cette brave Saint-Onge est toujours écrasée par le mal, le doute, la truanderie de bas étage, les mystères insondables. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout au chômage, bien au contraire. Hein, c'est quelque chose de qui lui est... Il porte sa croix, quoi, notre ami Sosthène. Cela dit, eh bien, il s'en commence peut-être à s'en rendre compte. Il a peut-être un peu plus d'épaisseur qu'avant. Il est plus porté sur l'humain. Donc, voilà. En tout cas, il rencontre, au bout de 20 ans, des nouvelles voies dans sa... Dans sa démarche, là, il est plus porté un peu dans le registre de l'aventure, cette fois, par rapport au noir pur, etc. Donc, il va se retrouver, par exemple, dans l'aqueduc à Sainte, dans l'un des deux aqueducs connus, et puis le troisième qui existe, on ne sait pas trop bien où il est, mais peut-être qu'il a mis le nez dedans, avec bien évidemment... son chat et son chien, tous les deux policiers, et toujours avec un flair inoxydable. Et direction Périgueux à présent, où le marché de Noël bat son plein. Les animations des fêtes de fin d'année ont été lancées le week-end dernier, découvertes dans cette hebdo-vidéo. La brasserie des Trois Croquants, une brasserie qui est située à Boulazac, qui est le manoir, depuis 2016. Donc ici au chalet, c'est notre première année, on est vraiment très excités de vous présenter nos bières. Nous avons des bières bouteilles et nous avons aussi des coffrets. Nous avons de la bière à la pression. Nous avons en spécial la bière de Noël. De cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à toutes!